l'exposition Gus Van Sant, elle est le plus pluridisciplinaire possible. Elle a ce fil rouge qui est évidemment le cinéma. Il est connu comme étant un grand cinéaste. Palme d'or pour Elephant, donc c'est quelqu'un on ne peut plus reconnu. Et le cinéma, c'est pas tout dans sa vie. C'est vrai que l'exposition montre à quel point il y a eu des choses avant le cinéma, pendant le cinéma, après le cinéma, que ce soit la peinture, la photo, les polaroïdes, le dessin, l'écriture, la musique, les clips, le cinéma expérimental, et qui crée un tout, des connexions un petit peu à découvrir. Mais en tout cas, une exposition qui est effectivement au Musée de l'Élysée très riche, ne s'arrête absolument pas à la photographie, va au-delà de la photographie et permet aux visiteurs d'être sans cesse surpris de voir à quel point il a manié des médiums différents. Le travail qu'a effectué Mathieu Orléans, donc à rencontrer Gus Van Sant, à l'interviewer, à passer toutes ses archives, sa collection au crible pendant deux ans de préparation, deux ans d'échange avec lui, ont permis justement de mettre en avant dans la foison de documents des petites pépites, des petites choses que le public ne connaissait pas, mais qui aussi donnaient une clé de lecture, on pourrait dire, à l'ensemble de l'œuvre de Gus Van Sant.